On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test du GPS, du THL T7. Donc, comme vous pouvez le voir, bon, ça décroche pas, ça fonctionne plutôt bien. Donc là, je vais laisser comme ça un petit peu. Je suis sur. Bon, là, c'est un petit peu plus simple. Vous voyez, je suis sur la 2x2. Je vais arriver bientôt à une bifurcation. Donc, on verra la réactivité. Quand je vais changer d'itinéraire, donc on verra si ça suit vraiment derrière. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne. Ah, il va encore y avoir plein de tests à venir. Ah, un petit pouce bleu. Ça me ferait énormément plaisir pour le travail accompli et puis ça m'encouragerait encore pour faire plus de vidéos, bien sûr. Vous voyez là, c'est pas très précis parce qu'il n'a pas suivi la sortie. Il est un peu long à la réaction par rapport au Ulefone Power. C'est vrai que celui du Ulefone Power, il est beaucoup plus réactif. Donc vous voyez le temps de recalculer, hop. Et là, c'est. Continuez sur Voilà. T771 pendant 8 km. Voilà. C'est là qu'il se rend compte que, en fait, j'ai bien suivi l'itinéraire et que. Ouais, c'est. Il y a, on va dire, il y a un peu un petit manque de réactivité au niveau du GPS. Bon, là, sur des lignes droites, on ne peut pas trop se rendre compte encore, donc.
Alors, vous voyez, il y a un rond-point qui va arriver. Je vais essayer de changer de direction, voir le temps de recalcul de l'itinéraire. Tout à l'heure, c'était pas très satisfaisant, donc on va voir là ce qui va suivre. Mais ouais, j'ai des doutes sur la réactivité du GPS quand même, hein. Sur des longs trajets comme ça où il sert à rien, oui, mais dès qu'on commence un petit peu à vouloir changer d'itinéraire, on va voir le temps de recalcul. Voilà, donc j'ai dépassé. Vous voyez, donc là il fait la flèche à toute droite. Ah, ça a été. Vous voyez, il a recalculé, donc non, c'est pas mal. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de tourner quelque part ici. Ah, il y a un rond-point à venir. Tout à fait. Donc vous voyez, ça a été, hein, il a recalculé aussitôt. Ça dépend en fait du signal, je pense aussi, hein. Parce que là, elle a bien calculé, vous voyez, il était assez réactif. Hein. Le rond-point qui arrive, hop. Voilà, je vous laisse. Écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce bleu pour le travail. Et puis, je vous retrouve très très vite pour un nouveau test high-tech. Ouais, et puis, avec moi, vous serez au top. Allez, à bientôt.